Bonjour, 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 peuple congolais, peuple zaïrois. Bonjour, l'Afrique. Bonjour, le Madagascar. Oui, bonjour, bonjour à tous. Mara, bonjour à toi. Bandeko, Bogota, Bogota, Bogota. Bokoto to solo la mouke, Bokoto, Bokoto to solo la mouke, Yaidi Bolombo, Griffe International des peuples Mokosi, peuples souverains. On se retrouve une fois de plus. Bon dimanche à tous et une bonne journée, malgré nous. Malgré nous. Bonjour Marco. Bon anniversaire, Nabaye Oyo, Ezamu Kolona Bango. Mes condoléances na Baye Oyo ba Babungisi Bande Kona Bango, Nandenge ya ba maladie, Oyo Tozako Bunda Nango Mikolo Yo, Coronavirus. Mes condoléances aussi, na ba Baye Oyo Babungisi Bande Kona Bango. Na Bitumba, na Bakrim, où ils allaient tout le temps perpétrer na Mboka na Biso, Zaïre. Mais, tout ça, c'est Koba. Nzela Moulaï, Bivazon, la Dame de Fer, bonjour. Tout ça, c'est Koba. 2020, c'est l'année de la délivrance du peuple zaïrois tout entier. Vouloir ou pas, tout peut dans ma boucle en Zambie, mais 2020, c'est l'année d'Isaïe, c'est l'année de la délivrance, la libération du peuple congolais avec A. Bokoto, 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 tout sera mouké, tout sera moulaïté, les lois et les kaka, pour cibler. Une ou deux choses, elles allaient très importantes pour ton Kaboula Mayele. Voilà, Bokoto, Bokoto. On est ensemble. On est ensemble jusqu'au bout. Ingeta, ingeta. Baling systématique. Jean-Louis Moundele Baramo. Roger Le Combe, Bamokande, Mibaramo. Clément Likele. Petit Nanga Yebo Yebo. Tezokoba Sekokoba. Makwata Evaluza. Espérance Matuku, bonjour à toi. Bonjour. En direct de l'Allemagne. Namonio, Nengo Salagama, exercice à Tongo. C'est bon pour la santé. Ingeta, ingeta. Ingeta, ingeta. Jennifer Mbombo m'a dit. Jennifer Mbombo m'a dit. La Zaïroise. Qui dit la Zaïroise? Azanga Ekolo. Azalina Mboka, Kombo Zaïre, mais Azanga Ekolo. Le Kola Bissoba Zaïrois. Tozanga Ekolo. Nous ne sommes que des Zaïrois. Tozaba Kongo, Tozaba Luba, Tozaba Tobandundu, Tozaba Tokisangani. Tozabayanzi, tozali bambunda, tozali bamongo, tozali bangombe. Donc, nyonso wanaka, donc, ezabiso, tozanga ekolo. C'est ça qui signifie être zaïrois ou zaïroise. Henri Beto Maradona,
Zaïrois, Azanga Ekolo, Mama Nimi Shimba, une Zaïroise qui n'a pas de tribu. Voilà, tous en Dengewana. Tous en multitribalistes. Tous en multitribalistes. Donc, tous en Babi Kolo et Bélé Bélé. Dabanzo Tonabiso, donc, on est des Zaïrois. Jérémie Zoser. Il y a un moment où il y a un peu de Zahir, il y a un Zahirois parce que tu as une couleur. Dans le cas de Zahir, tu as une couleur. On va bientôt, on va démarrer là. On va démarrer. Toujours sur la mouquet. Pour la roulette Sabino, que conscience est allée et l'eau comme a bien. Conscience est l'eau comme bien. Bissou sur ton côté à la diaspora presque batmingi. Si tu as conscience. Hein? À l'exception, il y a bateau, il y a déceva Bissou. Bateau, il y a déceva Bissou et Zali. Inconscient, il y a soutenir Félix Tshilombo. Inconscient, tout ça, la bango, au bac, zongambango, pour nous soutenir Tshilombo, puis ma moni ma kamuna bango, et puis ma kambo, tout ça, y ko loba, ma kambo, tout ça, y ko mona, ou y to mona, ka chaque fois, un siècle d'avance, 100 ans, 2 siècles d'avance, par rapport à Batouana, monsieur Souana. Jennifer Mbombo m'a dit, yebisabango. Et voilà, donc, Ezali Mawamingi, donc, toujours zongé la kaka pour nakolo bambala lambala. Zongé la pour nakolo bambala lambala, pour conscience et zongé la bango, va reprendre conscience pour tout bengana batoua na bazana terrain. Félix Tshilombo, avec son frère, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui est son frère, mais qui n'est pas le nôtre. Rwandais. Tout si Rwandais, Oyo Bazali, ko dirige Mbo Kanabiso par la force. Comment voulez-vous, yo, hein, Louis Yanzambe, oke no ndima vraiment que, Banya Rwanda, Azande Konayo, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Azalande konayo, nenge Félix Tshilombo, azako ndima, azako ganga partout. Pe ba yambi, a parvenu ko yamba, na stade du 20 mai, na stade de martyr, a parvenu ko yamba, Paul Kagame, en Brésil, en Brou. Mawa mingi. Na yango tulingi kaka tuzongisa conscience ya moko na moko na biso tuyeba isika tuwuti tuyeba pe isika tuza kokende tukomi depuis l'indépendance 60 ans 60e année yango yo ezokoka wana juin. Pourquoi on n'a pas évolué? Pourquoi tu évolues dans la mentalité et puis dans le développement de mon cannabis? Au contraire, nous avons encore régressé et continuons toujours à régresser. Il faut mettre un stop. Donc, ces stops-là, on doit les mettre cette année, 2020, oh, Yobande Kolangaï. Na yo, na ye kuna, nangai, photo maître, stop, na makamboyo. Trop de bêtises, hein? Beaucoup de médiocrité, trop de singerie, hein? Il faut, to bongo la masolo, mboko na biso, et que nanenga li boso. Tout, si manabiso baye, ba l'équipe biso.
Olé, si tu as continué, c'est là que tu as l'équipe est pour la nini. Pour la, il y a un Rwandais Oyo. Oyo, il y a un Rwandais Oyo. Mais, il y a un Congolais, un politicien, un politicien. Un soi-disant politicien. Oui, bah, Kabi mouli mouna bangouna. Na diable. Pe bazo te kambo kana bango bazo te ka peuple na bango. Na ko loba loba mingi te wana ezali na kaka moi introduction. Mais na yeli penza li kambo ya COVID-19 to yeli vraiment li kambo ya coronavirus oyo ezali une menace pour na biso na société na biso. La République a démocratisé du Congo. C'est vraiment une menace parce que nous avons des fouteurs de merde. Nous avons des aventuriers, des escrocs, des tyrans, des médiocres à la tête de notre pays. Et en plus, ce qui est pire encore, notre pays, la République a démocratisé du Congo, n'est plus un État. Vous vous imaginez, mes frères et sœurs, notre pays n'est plus un État, un non-État. Pourquoi? Parce que nous sommes dirigés par des aventuriers. En complicité avec la communauté internationale, où il va dire que tout mbambo kawana, balingi or ekotate, il y a un biso photo, mais ma nouvelle or, il y a biso. Hein? Nouvelle or à la Zaïroise, tout mima yamou na mbokawana. Ba mindeli ba tchéli biso, ba voyou, ba brigand, ba miyibi, donc ba Félix Tshilombo. Ma caméra, ma Hippolyte Kanamélès, Joseph Kabila, où il va y avoir des millions, des millions, des milliards de dollars de l'argent public de l'État. Comme il n'y a pas riche, et puis il ça n'importe quoi. Bon, vous êtes là. Poto Banda Sikoyo, Mathieu Rabino, nous avons un moi, ma image, Binomoko Boyoka, Bomona, Nenge, ba Mindele kaka oyo, ba Mindele kaka oyo. Bamindele kaka oyo. Alors, Antonio Guterres, du coronavirus, il Bapé traverse Saki une Bango, catastrophe ma coquille humanitaire wana. et puis une régression des droits Bolanda. humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur trois points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, eh bien, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne deux exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis enfin, un dernier petit mot, peut-être pour nous rapprocher de la Méditerranée, avec les militaires en Algérie.
Bolandi, Nazoba de la Suisse une fois. Du coronavirus, il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains. Donc, du Ici, coronavirus, il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur trois points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, eh bien, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne deux exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis enfin, un dernier petit mot, peut-être pour nous rapprocher de la Méditerranée, avec les militaires en Alpes. Voilà, donc Bandekonangaï, vous avez très bien suivi comme moi-même. Mengue, ça c'est un journaliste français. Je connais son nom, hein? Christian Malard. Donc c'est un journaliste français. Non, Boyoki analyse Nengni Asali. Analyse Zoana Asali, c'est un grand journaliste d'investigation. Donc, analyse Zoana Asali en Mopambate parce qu'elle a investigué. Et puis, maloba, oh, et puis surtout loba, ganabino, yango wana pe kaka. Oh, y a eu tout le loba. Boyoki ba qualificatif, hein. Boyoki ba qualificatif. Ninga kaso qualifié ba ventilé, oh, baza na tête, na sommet, ya pouvoir, na mboka na bisyo. Il les a qualifiés des escrocs, des tyrans, qui profitent de la situation sur la crise actuelle. Crise, oh, y a si koyo, c'est la crise sanitaire du. Nanini na pandémie, il y a coronavirus. Alors, derrière le cambia coronavirus, Batirawana, Félix Tshisekedi, Félix Tshilombo, na mutuna Hippolyte Kanambe, bazo profiter, mais ndenge ya mabe, pour na ko kolisa sa dictature na bango na sima, ko yiba bambongo baza ko yiba. Aide nyonso bambongo baza kotinda ya ba OMS, ya ba groupe privé pharmaceutique et tout ça, na sima ya banani ba Bill Gates, hein, na makambo na bango ya molili baza koyiba. Et puis dans le but, dans le seul objectif, ya ko favoriser hein plan démoniaque où ya ba Mendele, où ya ba Bill Gates, Nicolas Sarkozy et consort na ba idée na bango préconçue oyo ya ke bango ba comme le quoi ba remplacer Nzambe na mokili pour ba contrôler naissance na liwa ya bato na mokili et plus précisément en Afrique. Voilà, donc babiloko wana ezama bato na laksabino isusu Image monsieur, toujours il y a même journaliste, analyse naïe. Vous avez ok. Est-ce que l'aide d'urgence apportée par le FMI, le Fonds monétaire international, à 25 pays pauvres, dont 15 en Afrique, peut aider à limiter les problèmes causés par cette pandémie? Je ne pense pas. Vous avez raison, parce qu'en fait, ils vont saupoudrer 500 millions de dollars sur 25 pays, dont 15 pays africains, vous venez de le dire.
On y retrouve, bien entendu, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, par exemple, qui, avec ses 15 millions d'habitants, ne dispose que de 6 lits pour réanimation. Et puis un pays comme la République, eh bien, dite démocratique du Congo, dirigée par un tyran, Félix Tshisekedi, qui, comme son prédécesseur, le tyran sanguinaire Joseph Kabila, dilapide les caisses du pays. Alors, finalement, ces 500 millions de dollars ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan d'un besoin qui est monumental. Bon, yo, kibino moko, bon, oyo, oyo, na laksibino siko ezali kambia OMS, atindi 500 millions pour l'Africain. Hein? Toujours na kata crise, oyo. Mais, na 500 millions, ana, hein? Na 500 millions, ana siko yo. Quand ça que, il faut bakabulango, na, plus ou moins 20 pays d'Afrique. Mais pour l'instant, c'est 15 pays d'Afrique qui, Baza déjà bénéficiaire, Baza déjà bénéficiaire, hein? Bongo sikoyo, bambongo andengo wana. Apporté par le FMI, le Fonds monétaire international, à 25 pays pauvres, dont 15 en Afrique, peut aider à limiter les problèmes causés par cette pandémie? Je ne pense pas. Vous avez raison, parce qu'en fait, ils vont saupoudrer 500 millions de dollars sur 25 pays, dont 15 pays africains, vous venez de le dire. On y retrouve, bien entendu, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, par exemple, qui, avec ses 15 millions d'habitants, ne dispose que de 6 lits pour réanimation. Et puis un pays comme la République, eh bien, dite démocratique du Congo, dirigée par un tyran, Félix Tshisekedi, qui, comme son prédécesseur, le tyran sanguinaire Joseph Kabila, dilapide les caisses du pays. Alors, finalement, ces 500 millions de dollars ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan d'un besoin qui est monumental. Oui, bande konangai. Bande konangai, donc. Bande konangai, quand on est dans le Sabino, on a. N'est-ce pas, vous Sabino, donc. Ils allaient Mawaming. Bon. OMS a payé 500 millions. Bon, déjà, les journalistes ont déjà déploré 500 millions. Wana. Mais 500 millions, ils ont moqué. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire pour 25 pays pauvres, 25 pays pauvres dans le monde, 500 millions, ils ont moqué. Ils ont moqué. Et les barocabola cabola ngoana. Oyo, ils ont ce qu'on a, ils ont ce qu'on a, bah, voleurs, bah, brigands, hein, bah, traîtres, mi yibi, oyo, bah, yiba kala, oyo, bah, yiba ni samwe, ke na monde entier, oyo, bah, zako yiba, bah, 400 millions, 480 millions, bah, 1 milliard, bah, 1 milliard 500, bah, 15 millions, na moutumoko, donc, moutumoko azo yiba, 200 millions, moutumoko azo yiba, 300 millions, moutumoko azo yiba, 500 millions, bon, si koyo, 500 millions, oye, mais ça peut, si pour ma kablo na fripo na ko riposé na crise sanitaire, oyo, ya coronavirus, mais bon, on est kena bapo, yo kena bapo, yo kena bapo, bon, on est kena bapo, yo bon, donc, ma kambona yoko l'opposition na bino yangwana. Pona kou laksa ba ndeko na biso, oyo, baza ba inconscient. Oyo baza ko kontini kaka, ko soutenir Félix Tshilombo. Hein? Félix Tshilombo. Na gouvernement na ye occupation. E na sima wana, ti retrouvera Hippolyte Kanambe. Oyo aza ko tire ba ficel, parce que c'est lui qui gère les choses. Hein? En tant que premier ministre Yamboka wana, parce que les gouverneurs Yamboka wana en tant que gouverneur, mais Mukonzi na bango, président na bango, c'est Paul Kagame. Et Félix a joué un rôle protocolaire comme un premier ministre qui n'a aucun pouvoir, azana pouvoir te atailo ko mokote imperium azana yangote. Alors bande ko na biso ya ba taliban, bande ko na biso ya IDPS oyo bozali sima ya Félix Tshilombo. Il est grand temps
Boutique à la fantaisie. Il est grand temps Bobima, hein? Bobima, na lokuta. Parce que Kusuke la binoma bé. J'ai dit et je répète encore. Bande konabiso ya ba taliban. Bande konabiso ya IDPS. Ba kasaye oyo bozali sima ya Félix Tshilombo. Toyoki bino tina ba parlement bokumi koloba bokumi kosatake na mutu lokola mwana mwasi aza na parlement comment il s'appelle encore Christelle Vwang parce que aza ko lobe la aza ko attaquer Tshilombo na parlement bozomo na mabe bolobi bozomo ba clairement malgré même ata Tshilombo a sali trahison Ayibi Bambongo. Mais, beaucoup de fin a été, beaucoup de l'Oban a été, quoi, ça président. Ça président, président, président Nabino, il y a Nini, il y a IDPS. Ou président Nabino, Bakassayen, ou il vous a soutenir. Parce que Bakassayen, il y a si mal a été. Donc, toi, l'Oban a été, tu y es bien, abisso bien. Toyebi na biso bien que a trahir. Toyebi na biso que a ninga azuli bo konzinaye. Mais bolo banaye loko moko te bo tikaye. Biso to linye nenge wana. Mais vous êtes des malades. Vraiment, vous êtes des vrais malades. Il n'y a pas d'autre mot pour vous qualifier. Vous êtes vraiment ba malades. Pour utiliser ba terme, monsieur Té. Vous croyez vraiment que ce pays-là, la République a démocratisé le Congo, qui est le Zaïre au vrai sens du mot, vous pensez vraiment que ce pays-là vous appartient et que vous êtes les seuls à pouvoir décider de quoi que ce soit? Donc, Bino, vraiment. Bouzako Kanisa, que Mokawana Yabino. René Bonganga, président de Mbembis, bonjour à toi et bon dimanche. Jérôme Kani, mon meilleur ami de Londres, bonjour à toi, bon dimanche. Bino Mokawana, hein? La République a démocratisé le Congo, oui. Virtuellement, ça vous appartient. Mais, beaucoup de monde a mis Kolombo Kalate. Beaucoup de monde a pris mis Kolombo Kawana. Et lorsque, bah, autochtone, bah, qu'on récupère ma solo na bango, vous allez vous mettre où? Vous allez vous cacher où? Beaucoup kende et sikanine. Je pense que moi, à votre place, je vais déjà commencer à chercher là où je dois aller me cacher. Parce que dans tout le monde a battu, et puis non seulement battu, mais tout le monde a bah, idiot, bah, imbécile. Parce que ce n'est pas une injure. Tout le monde a bah, idiot, n'a bah, imbécile. N'est-ce pas non? Non, tout le monde a battu. Parce que, pourquoi? Parce que ce ne sont que les imbéciles qui ne changent pas. Pour Bozala, toujours wana, qu'on soutenir. Bozala, soutenir le mal. Le mal qui est devenu déjà diabolique, satanique, mais Bozala, n'a pendant que la personne vous dit qu'il est lié fraternellement à Hippolyte Kagame, alias Joseph Kabila, lié fraternellement avec Paul Kagame, et qui nie qu'il y a eu des morts, des massacres,
Il y a Congolais avec K. Dans l'Est, il y a Mbokawana, plus de 12 à 15 millions, en disant que ce sont des dégâts collatéraux. Mouto, il y a qui s'incliner devant ma mort. Ma mort, il y a ma Rwandais, où il y a génocide fabriqué par Paul Kagame. Parce que c'est lui-même le grand criminel. Où il y a Boma Batou. Pour Bakoussa, 800 000 morts. Mais où il y a Bissot, 12 à 15 millions de morts. Yé, Azako Renier en haut. A Kena même pas, qu'on s'incliner. Kakana Katakino, on a Pembe Moussikate. Devant les 425 morts. Où il y a Boma en 2015, na Kanyama. Où il y a Bazana Maloukouana. Sans que tu ba Et aujourd'hui, je viens vous dire que voilà, état des droits. Parce que à Kangi Kamer, il y a pour tout le monde Kangi Kamer était. Parce que lui n'a aucun pouvoir. Azan impérium était. Azan est locomogoté. Le seul maître. Hein? Qui s'identifie à la loi, c'est Hippolyte Kanambi alias Joseph Kabila. Yemutazukangaba qui donne des ordres. Allez, bino ba taliban, beaucoup yembe la batou. Vous nous parlez de l'état des droits. Est-ce que vous avez déjà vu seulement dans un pays où il y a l'occupation et dans lequel on parle du droit de l'état des droits. Bonjour Françoise Makouen. Est-ce que aussi bon pays moko na mokili où ils allaient sous la dictature ou sous l'occupation et qu'il y a l'état des droits. On parle de l'état des droits ou de la démocratie. Voilà. Yangwana, Christian Malard, le journaliste français, a dit tout haut, ce que les autres disent bas, que notre pays n'est démocratique que de notre pays n'est démocratique que de nom. Qu'ils allaient en mode démocratie, c'était une vraie démocratie de façade. Parce que c'est comme ça que la communauté internationale, plus précisément les multinationales, après avoir concocté une constitution en faveur des étrangers, dans le cannabis, il y a Zahir. Ma sali maquillage, Yakolobake, ma Rwandais, Afdel, Ayaki, pour la libérer les Haïti sous la dictature de Mobutu. Donc, eux, automatiquement, ils devaient venir avec l'étiquette de nous ramener, nous installer une vraie démocratie à la place de la dictature de Mobutu. Voilà le départ des choses, de la chose, les débuts de notre malheur. Et le coup là, tout ça qui est rare, il y a que tout l'ennemi Mobutu. Donc il fallait gaga, même un diable, même Moutoumoubaya Rokota. Tout ça est réel, il y a la batouana. Qui va même l'émission de démocratie, la liberté, tout le monde la dictature. Et pourtant, ce n'était autre que une infiltration, totale infiltration, une permission
officielle, pour ne pas dire légale, pour Batouana, Bakota, et puis Bayakunya Telabiso, Roger Le Combe, Bamokambe, Mibaramo, Menzoni. Donc, voilà. Au moins, si tu as malheur, ne sais pas où tu te comment à ne te commander. Alors, Babomimbo Canabiso, ça fait une vingtaine d'années, nous avons permis à ces brigands-là, à ces brigands-là, pardon, à ces bandits, à ces voyous de Paul Kagame, de nous envoyer ces agents, ces militaires, partout où ils vont occuper Mboka Nabisso, les lots. Mais, ils ont la faute de la bangote. Où sont nos politiciens? Ceux qui sont là, politiciens dans Mboka, moi, j'ai des amis politiciens. Oyo, Oyo Bazobunda, il y en a un ici, il y en a un ici, à la personne de René. Un politicien qui se bat pour son pays. René Bonganga, un patriote. Tu l'ingas sous ma politicien, mais tu es un moko moko auto yebi bazako de la mboka. Bazaba patriote. Et ce n'est pas tout le monde. Tous les autres politiciens qui sont des patriotes, les autres, ce sont tous des accompagnateurs. Des accompagnateurs. Il est là, il fait un témoignage. Donc, Mboka tout ça va bien à l'air, il y a Maréchal Mobutu. Le roi de la guitare. Papa Bo Moko. Écolo Bo Moko. Bonsoir, mon acquis. Tout comment vous regrettez, Yango, mais il n'est pas trop tard. Il faut tout tellement. Dans 2020, Oyo, et les KT, Marta Béa. Et les KT, 2020, Oyo, et que les KT. Yango, on a Bino Banakin. Banakin. Tout tellement. Donc, jamais qu'on se laisser influencer, guider, n'a pas distraction, il y a pamba pamba. Ou y'a que bakangaki, Kamere. Ou Paul Kagame, Akufina Londres. Ou Mwanasemi, Bakangi Mwanasemi. Oui, Bakangi Mwanasemi. Mais Bakangi Mwanasemi, pour n'avoir pas problème n'abango. Il y a entre Mwanasemi, Nenge Azali qui accompagne l'occupation, Azali qui revendiquait, bah droit naïe. Mais en oubliant que il est. En oubliant que il se trouve dans un pays où il n'y a ni loi ni foi. Un pays de la dictature et de l'occupation en même temps. Alors, vous avez besoin de la bise que voilà. Moi, je suis comme un pouvoir, moi, je suis comme un partout. Voilà, Paul Kagame, Azoku Faboye, Barwande Bazobanga, que peuple Nabiso, et tout ça, il faut tout ça la révolution pour tout soutenir Félix Tshilombo. Vous croyez vraiment que ces peuples-là, malgré que vous le voyez, ne sachant quoi faire, que Bango tout, mitouzo salate, donc biso tout na mokilio mobima, ti na diaspora, mitouzo salabisote, pour toye bako sa, ko faire la part des choses. Bino bozo kasa vraiment, les grands le font. Bonjour et bon dimanche. Bozo kasa ke biso tout, toye bako sa la, on ne savons pas faire la part des choses.
Ma distraction, ma militaire, y a ma Rwandais, ma Tondi Kotoyo, ma Bazana Gombe, et ma Susuboye, Bazana Mandaku Yaruberwa, ma Kanga, ma Congolais, et machin, machin. Tout ça, ce sont des distractions, de manipulations orchestrées par les talibans, par la talibanie. Bonjour Eli, Eli Seka. Pour la distraire Bino. Hein, Félix Tshilombo, à quoi tu as Non, Félix Tshilombo, Ayambi, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Mais pour dire quoi? Oh, il fallait pas là. Parce que il y a pandémie, crise sanitaire et machin, machin. Est-ce que, et ils ont seulement le temps de parler de ça. S'il ne s'agissait pas de régler les problèmes de Kamere qui est emprisonné là-bas. Parce que en pourchassant, en faisant des poursuites judiciaires contre Kamere, on risque d'atteindre Félix Tshilombo. C'était ça la négociation là-bas. Moi, je te donne ça, et toi, tu me donnes ça. Et pourquoi tu fais ça pendant que moi, je n'ai pas, moi, j'ai pas dit. Moi, je t'ai demandé de le faire. C'était ça. Et ça, ma querelle, là il y a moi, c'est dans mon bal, et dans l'entretemps, oui, et dans l'entretemps, à ce que je sache, moi, dans ma solo, il y a ma fourmi avec les oreilles, Hippolyte Kanambe, a zu et loko yalingaki, il fallait à côté ça va changer direction militaire il y a Nini. Direction militaire il y a Banamura, garde républicaine. Donc, après ça, à côté ça va les manaïs moussous, ma place ça va les manaïs moussous. Donc, un échange est bon. Pour l'instant, na tikio, destitution et que ça l'a mansouté, malgré le congrès est allé proroger pour 15 jours, encore, na tikio, mais c'est l'autre-là qui doit quitter son poste de vice-présidence et assemblée nationale. Voilà. Et Bilbo, Kota Naraba Makambo, la Banini, ce sont des gens, Félix Tshilombo, Akokabo, Anakate, na Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Félix Tshilombo, Akokabo, Anakate, na Kamere. Félix Tshilombo, Akokabo, Anakate, na Paul Kagame. Maman Venika Kelani, Losako. Bakokabo, Anakate. Bazo l'exabino de Tang. Au fil à mesure, bozo landa bango, bozo tchara bango kana ba tango na baolexa, bango bazo poussana, bazo poussana. Si ko yo Félix, a commis déjà là-bas, il y a une année, à peu près, comment, bah, une année, 4 mois, azolanda 5, 4 mois. Lobby, aoyao, boka moi, ba comité na décembre. Donc, bobi manabaje wana papi kawaya, le sac na yo. Voilà, donc, bon dimanche. Bobima n'a pas ventil n'a pas encore. Tout à la concentrer, focaliser, n'a objectif. Il y a libération totale, il y a beaucoup d'ambition. Donc, tant que nous sommes sur le Nabino, nous sommes sur le même temps, n'a pas militaire, n'a pas policier. J'ai un ami qui est soldat, officier, à Zalipe à Anabiso. À Zolanda, à Zali à Anabiso. Tala batu ya solo oyo po batu nyeso bakotaka awa batu na ngai yo bakotaka awa wana baza ba patriotes. Moi je les appelle des patriotes. Ba patriotes. J'ai des amis qui ont travaillé dans l'armée, qui ont eu des fonctions en tant que des officiers oyo ba boyako, que ça la suyer,
Mais ça va revenir. Ok, ça revient. Ça revient. Donc, voilà. Donc, Mokiliwana, c'est un pays riche dans le monde entier. Ce qui est le robot money, c'est que la vidéo, les journalistes, ils ont mené une investigation. Ouvertement, qualifier Nani Félix Tshilombo de na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila des escrocs, des tyrans parce que trop c'est trop parce que ce pays-là est tellement très trop riche, tellement riche que peuple wana oyabiso tout ça un niveau de zaté. On est en dessous de la pauvreté. Tout ça nassé, il y a ma pauvre. Pas au même niveau que les pauvres, mais en dessous des pauvres. En dessous des pauvres. Donc, là où il y a les paillassons, là où il y a les paillassons, en dessous des paillassons, nous, on est là. On a plus aucune autre valeur. Tout ça, c'est une valeur, t'es. Tu perds ma valeur, tu perds ma dignité, tu perds tout. Surtout, comment on les gars, comment on t'a la mission pour Bazo sec. On est devenu des risées de tout le monde. Les risées du monde entier et les risées de tout l'Afrique. Mais Nicolas, il est temps totalement. Ce qui bise tous les gars, pour tout le monde, tous les gars, tout là la caté, tout le monde pour la bine, pour le monde, parce que tout, c'est tout. Il est temps que nous puissions nous débarrasser de Félix Tshilombo. Parce que Félix Tshilombo, Azali Otobenga, et Lilingi à Pamba, un écran de fumée, mon pépé, sur le bétil, les confibo, il est cani. Mais, bateau, bazana, si, manaïnde, bangonde, tout ça, nous avons besoin. Alors, bandi kona biso ba taliban, bouza la batou. Bozong sa mitou na bino. Bozong sa ba mitou na bino. Bozong sa ba mitou na bino. Eza mawa tro. Bozong sa ba mitou na bino. Lelo soki Félix Tshilombo. A se ressaisir. A lobike. Ah! Makamu nazo sala. Nazo kufi la bande ko nangai. Papa le ki na yimu wake. Bientôt tam sou soko mouna mama na yako lana. Po mama na ele grave. Mama la. Ba conseye na yitu tutu. Bazo kufa. Eske moutou na ye. Eza normal. Po sou ki lora lo vike. Non. A retrouve mémoire. A la bike non. Ba kosa ki ngai. Peuple nangai. Nazana bino. Obeleli mokili mobimba ouvert mon lobby bato yo balingi ba 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 bazo mabele na biso to benga na bango mais ata ce que dans la dernière minute on peut comprendre la situation mais cela ne veut pas dire que justice c'est au salaté et qu'au sala Eric Masudi voisin propre justice c'est au sala mais Na ndenge to yebeli makambo. Na ndenge ya masolo ya kati. C'est un enfant perdu. Maudit. Maudit même. Ye mo nenga milo pesa bako mo nenga milo baka. Oya trahi li babe et tout ça. Il est maudit de la tête aux pieds. Donc, ako zonga raté. Binonde, ba taliban. Bozonga. Bozonga, il est grand temps. Parce que, à la lire, ouvrons les choses. Et ça m'a trop. Et ça m'a trop pour Nabino parce que. Et ça m'a trop pour Nabino parce que. Ce que vous avez dit, c'est que. Mbokawana est au Kende. Nandengo vous avez dit cela. Mais Mbokawana est au Kende. Et au Kende. Nazon, c'est Nabino, je suis moi, image, yo. Nachakine Bandeli. Hein? Imagine la chagne bandi pour na bateau ba na souka ba mona yango
Mon image, voilà. Pour pas comprendre Pourquoi est-ce que vous ne sortiriez pas? pourquoi Naïko Lobelayamo. Tout. Bon, excusez-moi. Faut une catastrophe humanitaire et puis une régression du coronavirus. Il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur trois points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, eh bien, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point. La crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne deux exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis enfin, un dernier petit mot. Peut-être pour nous rapprocher de la Méditerranée, avec les militaires en Allemagne. Voilà, donc, Bomoni, image, voilà, donc, pour C'est ma Nakaza, billette devant moi, monsieur. bon comprendre, quand ma Kamouningini, Ezali, ma Kamouningini, Ezali, hein, que Tozali, en tout cas, Tozali, bah, irresponsable, en tant que peuple. Nous avons une part de fautes. C'est-à-dire, biso peuple, Taïrois, Tozali ba irresponsable de pouvoir nous laisser diriger avec des gens comme Félix Tshilombo, Hippolyte Kagame, alias Joseph Kabila, et les FCC. Je répète encore. Donc, nous, en tant que peuple, un grand peuple d'Isaïe, nous sommes jusqu'à l'heure actuelle des irresponsables pour pouvoir laisser des gens comme Félix Tshilombo, Hippolyte Kagame et les FCC nous gouverner dans ce pays-là. Alors, il faut. Yo, na ye kuna, nangai moko, to telema. Parce que biso wana diaspora, toujours c'est la kaka, déconfinement. Après déconfinement, oyo bo monaki, na Paris, les amouké. Tout ceci, tout cela, pona, ko booster bino banakin. Banakin. Pour continuer à bêter la ka, batou babou, tout le temps, ti wap. Bon, mon aoué, mon tout, bêter ma boko. Mon tapé, ça y est, moi, 10 sengi, bêter ma boko. Bazako kanga ba mwana semi, hein? Ba kangi na mwa si na ye, sans koutou, ki ba pe sa respect na maman. Ba kangi, Bakangi une maman. Quelle est sa responsabilité? Quelle est sa faute dans cette histoire-là? Puisque problème wana, ezaya mobali na ye. Si vraiment l'état des droits il y a, pourquoi ne pas arrêter seulement son mari
et de la laisser elle. Parce que maman wana sali lokomogote. Mais bino bazoba oyo ya ba inconscient, bozako beta maboko pour le bokangaye. Tuyebi, moi je n'ai rien à voir avec Nemwanda Sem. Je n'ai rien à voir avec lui. Mais je regrette que dans mon comportement, c'est les autres qui payent. C'est la population. C'est la population qui est derrière lui qui paye. Ce sont des Congolais. Ce sont des Aïrois. Oyo bakufi wana, bakufi une bonne dizaine ou bakufa ki jirwana. Parce que ma sasi bazo beta wana, mais ya ki ya ma sasi ya ya guerre entre bako sa la ya guerre entre les Zaïre et le Rwanda. Ma sasi bazo beta wana. Apache, bonjour à toi. Ma sasi wana ba ya mitrailleuse lourde ou bazo beta wana. Et ça, c'est pas réservé en haut, il y a un bête en est, et pas les frontières poreuses, où il y a un Rwandais qui est au côté de l'Union, il y a un rebelle, il y a un Burundi qui est au côté de l'Union, il y a un rebelle, il y a un Ouganda qui est au côté de l'Union. Pourquoi ne pas utiliser ces armes-là pour chasser les bananes, les voyous, les mercenaires qui sont au côté de l'Est? Oulé que boya ko beta masasi na ba pauvre citoyen non armé. Bref, bon. Na les gars ga place wana, mais pour na reçu qui ça? Parce que j'ai débordé un petit peu. Pour na reçu qui ça? Na za ko lancer message oyo. Message oyo, ezali. Excusez-moi. Message il y a pour un dégo la vie sur moi il y a congolais dégo la vie sur un congolais voilà comment il s'appelle encore Jérôme Jérôme Mouyandi Azali médecin Jérôme Mouyangi, voilà. C'est un médecin. Un médecin. Comment? Un médecin épidémiologiste. Peut-être, oui. Un médecin épidémiologiste. Voilà. Donc, Azali, médecin Oyo, c'était un artisan des nouveaux remèdes. Remède Oyo, Basali, Bazobenga Yango, Artemisia, na Madagascar. Le président Magache en a parlé. Donc, remède Wana Artemisia, c'est un anti-paludisme ou. Donc, il y a un groupe anti-coronavirus. Donc, médecin Oyo, as un chercheur, as un mon amour, c'est un Zaïrois. Alors, il y a un Zaïkouna, tant que vous avez recherché, il a été malmené là-bas, déconsidéré, voire même, il y a un peu de kangaï, il y a un peu de possibilité, un organisme qui est mis en place, il y a un peu de Madagascar et tout ça. Ce qui a zako yo kangaï, s'il m'attend, pour il semblerait qu'il est encore en France ici. En tant que médecin, chercheur, c'est un homme très très important. Pour na biso, pour na mokili mobimba. Alors le problème c'est quoi? Le problème à trouver qui si wana, dans ma recherche na ye, et que ba pesi yango ils allaient en sirop et peut-être ba osala aussi ba comprimé na yango hein en tout cas la batou
oyo ba pesi bango yango oyo ba pesi bango ba zui yango oyo ba belaki bazalaki infecté na coronavirus na Madagascar une bonne partie ya population babiki na Kisiwana. Alors le président malgache il a vu que bon c'était vraiment c'est vraiment une réussite presque totale. Yango la lobela ki makambo wana alobela yango alobi yango na monde ati bayeba ke nous avons trouvé un médicament parce que mokili mobimba ezosala ba recherche ya ba vaccin ya vaccin pona kolite koriposte contre la pandémie ya coronavirus et que nan bazute bazosala ba recherche et puis il faut basala ba test nini ya vous savez quoi. Ce qui est drôle, c'est vaccin. Ça, là, test clinique, na batou, ou bien test normal, na batou, pour na, ba vaccin. Mais nous savons qu'il y a déjà, des vaccins déjà faits. Mais, n'est-ce pas, y a des bateaux, multinational. Parce que c'est une question de sous, question d'argent. Le coup là-bas, c'est bambou, on a bambou. Vous n'avez qu'à tourner beaucoup de la fondation Bill et Melinda Gates, basana Simawan, hein, groupe pharmaceutique privé, basana Simawan, hein, multinational, bango, balingi, balingaka, avant basala, bim ça, vaccin na bango. Il faut pas mon abattu n'engue basa kokufa va faire peur na batu na mokili comme ça ils sauront comment faire les surenchères comme on dit na ba produit na bango na ba vaccin na bango question d'argent nde makambo moni zo sala madame kilo batu heureusement maladie wana ezongeli bango moko et ko panzane na bango wana chimie wa. Et songeli bango moko ba kufi lokola bandonge. Donc nenge ba kufi lokola bandonge wana. Mais bazaka ka ko insister. Pour nanini parce que ba vaccin na bango. Ba vaccin na bango. Bazako ko sala ba recherche aux États-Unis. Bazo créé aux États-Unis. Mais ba laboratoire na bango pona ko commercialiser ngo bazu steam ngo bazu sala ngo na ba Asie na ba Chine hein mais espace na bango ba monela ya expérimentation ya ba essai clinique na bango na ba vaccin ezali nde na Afrique biso nde ba kobayi na bango hein Afrique comment lokola laboratoire. Bango na yikiti soba kansa ke Afrique eza un seul pays. Mais Afrique eza ba pays ebele na kati. Bango soki ba kansa ke Afrique eza un seul pays. Ba sansa bisi nisi kambo bango na kane tike. Donc, ba produit na bango soki ba bimisi kuna ba kreye kuna, il doit venir les achever, les expérimenter en Afrique. Donc nous, étant l'air cobaye, laboratoire na bango ya l'expérimentation des ali au. Donc, Bota la siko et pas y battre quoi, n'était pas Félix Chilombo. Ba mitu beba bango, le kola ba yemo yi biambongo, tala n'est ba weli, n'est yi bango tula ba docteur Muyombe, un laborateur qui se dit peut-être chercheur comme Jérôme Muyangi, ce qui n'est pas vrai, hein. Na ba magui na bango bazo wela ba 130 millions ya corona cop pendant que na mboka na biso corona kutiza na moye ebelete batu bazala bango infecté ebelete quelques batu oui mais bango ba multiplier na ba pub po bazo ba mbongo na ebele na ba po ba ibike ba mbongo uta de gauche à droite na ba mbongo yo bazui. Il y a ba groupe pharmaceutique wana, il y a ba Bill Gates et kangi bango tina mingongo. Donc bino bondi masiko yoke
Batu ya nene wana. Mwana mobali oyo nazona kusabino a. Ce qui meurt, ce n'est pas les garçons, ce sont beaucoup plus les filles. C'est lui les garçons. C'est féminin qui a été tué. Jérôme Ouyang. Ce sont les enfants filles qui décèdent après avoir été vaccinés. C'est lui le médecin. Ça, ce sont le fait de 2019. Épidémiologiste. 2020, qui se passe maintenant sur le sol africain. Arrêtez les peuples africains de vous dire. Chercheur pour des maladies virales. Testé en Afrique, il n'existe pas un vaccin contre le coronavirus. Et s'il en existait un, ça devait d'abord concerner la France, la Belgique et l'Italie, les États-Unis. Mais il existe un vaccin qui est en train de tuer, est en train d'être expérimenté aujourd'hui en Afrique. Ça s'appelle les vaccins de GSK. Ces vaccins, comme nous l'avons dit, violent les règles de la bioéthique. Le vaccin est présenté ici d'abord par les personnels de l'Organisation mondiale de la santé. Bon. Normalement, l'OMS. Voilà, donc la Sibinokaka, pour mon aïe, mais la vidéo comme telle, donc. Pour vous dire que c'est vraiment un chercheur, un bon médecin, qui a un quatrième domaine. Ils l'ont négligé à Kinshasa, au Congo. Si Koyo, à Kinshasa, à Madagascar, à Sali, à recherche, à Yukuna, à réussi, qui si wana? Oui, nous avons vu que. Votre fameux président 15%, il a pris contact avec le président malgache pour dire que bon, voilà, oui, je suis content, qu'il est content de cette découverte et tout, et que voilà, il est d'accord pour l'utilisation de ces produits, de ces médicaments, hein. Pour Nambo cannabis au Congo et tout ça. Hein? Voilà, donc, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est permis de prendre contact avec les autorités malgaches pour inviter les garçons, hein? Le médecin, ceux qui ont été zonga, dans le Congo. Pour continuer, mais. Le médecin, comme il a quitté là-bas comme, pour venir demander l'asile politique et tout ça, hein, il n'a aucun passeport. Donc, Lelo Oyo, Batindelié, donc vous ne m'avez même pas. Batindelié, le docteur Jérôme Mouyangi, Batindelié, passé, Batindelié, comment est-ce qu'on appelle ça? Un laissé-passer tenant lieu de passeport pour y permettre à Kendekuna. Et le médecin, il semble qu'il n'y ait pas pour à Kendekuna. Mais il y a des gens qui sont là. Pour les gens qui sont là. C'est que lui, il oublie Jérôme Mouyang. Je ne sais pas s'il est en train de me suivre ici. C'est que lui, il oublie. Il oublie à ce que Félix Tshilombo a déjà signé des contrats avec l'OMS. Il a signé des contrats avec des groupes privés pharmaceutiques. Il a signé des contrats avec des Bill Gates et tout ça avec les Américains pour faire vendre leurs produits-là. Pour faire vendre, bonjour peuple Mokosi Waïsa, pour faire vendre leurs produits, leurs vaccins et tout ça. Donc c'est ça les risques. Et inviter un concurrent, revenir dans la République à démocratiser du Congo, qui est un non-État, qui est une jungle, un western, où il n'y a ni foi ni loi à Bengisiye pour Akendekuna. Mais
Mais ça pour pas bon maillet. Parce que Félix faisant partie déjà des concurrents. Des concurrents de ces garçons, de ces médecins. Parce que Bango Kuna Bana ba vaccin na Bango. Oyo balingi à tout prix était comme hein, était comme na Bambo que belé ya monde. Et ba ça là ba test clinique na yango na Zaïre. Et yé mokope a outi koloba awa. Que ba vaccin wana isa ba vaccin moko empoisonné. Bon, vraiment, bon raisonnons nan, n'en biso tout à vous raisonner. Bozomon a dit que le médecin va se mettre dans la gueule du loup. Yangwana, bandiko nangai, wana yalaki point nan yana suki sanango, c'est pour tirer son attention. C'est pour tirer l'attention. C'est pour sonner l'alerte. C'est une sonnette d'alerte pour accélérer te yauke na moka wana. Ce qui a cueilli kuna, il va tout droit dans la gueule d'un crocodile. Parce que na moka wana, mawa ezalite. Bacheli ende chilombo, hein, a piégé. Tarane babo mwa tno ba poison kuna. Si ko kontra na bango. Oyo Félix ba signé na mulili. Ningi ba tokena beta zini kuna. Hein? N'oubliez pas que bandiko na ngai, les jours où le docteur Muyembe faisant son discours en conférence de presse à côté de lui, il y avait l'ambassadeur des États-Unis. À côté de lui, à sa droite, à l'extrême droite, il y avait l'ambassadeur des États-Unis. Posez-vous la question de savoir son rôle à ce moment-là pour Makamizo Leka na Congo, et Taliba Congolais, qu'est-ce qu'il faisait là? Donc, Ndekonabiso, médecin, Jérôme Muyangi, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit tiré une sonnette d'alarme pour vous avez déjà. Voilà, vous avez maman que vous avez dit que vous avez lelo yango wana masolo na yaki na yaki nango yango wana mais bon excusez na bana utanga ouais mais voilà donc na suki wana na kopesa ka binyo so tumbote hein. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Hein? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bande kolanga ibola na batalibante, bataliba ba komi na suka na bango. Hein? Bataliban na zomona na ba commentaire, bataliba ba komi na suka na bango, tellement to tie bango contre mire, peuple mokonzi ipo aiza. Petit frère propre, tellement to poussi bango. Tozo poussa bango na mire. Kalamingi te 2020. Tozo kanga bino maboke. Boko luka esika boko kima. Boko luka ne esika boko kima. Voilà. Donc, bomi yebela déjà. Qui a fait quoi? Hein? Bomi yebela. Rappelez-vous de Nuremberg. Mais oyambaloyo. Et que ça à la Zaïroise. Au Lélio. Qui vivra verra. Bande Konangaï. Nasuki wana, en tout cas, bon dimanche. Bon dimanche. Matondo, et paye nabino tout. Ingeta. On est ensemble. Dire koyo. Ilobi mingi. En tout cas. Vous partagez yango dans mon thème moko et côté la moutou nyonso, y compris ba taliban tout ba taliban oyo ba changer, on est ensemble.
Mais oyo balingi ko changé te. Toko kuta na bango. Kalate. Ingeta. Bon dimanche. Ciao.